Ce n'est pas... Vraiment, le Mayaka là, le Mayaka. Croyable. Yaka, il aura fait de moi. Ce n'est pas croyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Au bout de trois pluies, c'est sûr qu'on n'en parlera plus de nous ici. Hein. C'est sûr qu'on va plus parler de nous. Mabou, vraiment, là, mon équipe, on ne sait pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Bon, changement climatique, est-ce pour autant qu'on doit rester insensible à ce genre de fait? Même le fait de canaliser l'eau, je ne sais pas si la canalisation a quelque chose à avoir, a un rapport direct avec le changement climatique, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Ici, nous sommes donc à la frontière du quartier Nzuli avec le quartier La Poudrière, donc à la rivière Mfilou. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des eaux qui quittent vers le ravin là-bas, au croisement Lambre. Là où il y avait la station Afrique, on ne comprend pas si les travaux qui se faisaient là-bas, c'était juste pour essayer de libérer la station. On croyait que la situation allait être un peu plus sérieuse là-bas, qu'on allait faire des travaux concrets pour essayer peut-être de canaliser les eaux, mais là on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. C'est sûr qu'avec les pluies de mars-avril, bon, ça sera du wet in say ici. Mabou, vraiment, bon. Désormais, nous ne dormons qu'avec nos yeux grandement ouverts, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'eau de la pluie peut venir frapper à votre porte. Là, c'est le pont qui est carrément englouti sous les eaux. Là, nous avons les voisins en face de moi qui sont partis. Ils ne sont plus. Ils ont préféré s'en aller pour plus de prudence. C'est vrai. C'est pas possible. Ce n'est pas vraiment possible. Vous ne pouvez pas quantifier le degré d'émotion qui m'anime en faisant ce travail.